Bonjour, bonsoir à tous, rebonjour, rebonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle preview de série Playoff Betclic Elite, le premier tour de ces playoffs. On continue la série justement de ces previews avec Gabriel. Comment ça va? Salut, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux encore une fois de continuer ces previews Playoff Betclic Elite. Tu l'as dit, aujourd'hui, on s'attaque du gros puisqu'on a une belle série entre l'ASVEL et le MSB Le Mans. Absolument. Très excité. Très excité parce que ça, c'est ça, à mon avis, il va y avoir des choses à dire et on va voir de très belles choses, mais on va revenir dessus justement. Comment va s'articuler l'émission? Si vous avez suivi les autres previews, vous avez peut-être l'habitude. On va commencer par le point sur la saison de chaque équipe, ensuite les dynamiques, enfin c'est un peu lié, voilà. On va ensuite faire le petit film de la série. Qu'est-ce qu'on voit? Comment va s'articuler cette fois-ci la série? Pour enchaîner sur un duel qui on va suivre des deux côtés et pour finir sur le fameux pronostic qui passe et en combien de matchs. Gabriel, que s'est-il passé cette saison pour les stats d'abord? Effectivement, j'oublie à chaque c'est fois ça. Pour les stats d'abord. Statistiquement, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Statistiquement, de manière bête et méchante, hein, l'ASVEL a fini 3e et donc c'est la série 3-6. Donc ASVEL finit 3e du championnat avec 22 victoires, 11 défaites et Le Mans 6e avec 19 victoires, 15 défaites. Sur cette saison régulière, l'ASVEL est la meilleure défense du championnat en moyenne de points encaissés, avec seulement 77 points encaissés de moyenne. Et la sixième meilleure attaque avec Je m'attendais pas à cette info. 86 points marqués en moyenne. Voilà. Donc meilleure défense du championnat, je l'ai dit, et sixième meilleure attaque. Quant au Mans, on est sur, pareil, une très grosse attaque. Encore meilleur puisque troisième meilleure attaque du championnat avec plus de 88 points marqués en moyenne par match et défense moyenne, moyen moins avec quasiment 84 points encaissés de moyenne par match, ce qui en fait la 12e meilleure défense. Petit remake de la demi-finale de Leaders' Cup de cette saison qui avait vu l'ASVEL s'imposer 90 à 75 dans un quasi non-match, hein, le 28 février dernier, avant de remporter le trophée face à l'Égier, le Et oui, Bourg-en-Bresse. la jeu. L'ASVEL, démarrage décevant, on en a assez parlé cette saison sur la chaîne. Sportivement, c'est terrible, l'ASVEL. Cette Parce saison, que c'est terrible. Pour un triple champion en titre, déjà on va parler que du championnat, mais pour un triple champion en titre, tu démarres ta saison un peu mi-figue mi-raisin, hein, 9 victoires, 6 défaites. Oh, le proutilant puis pur. surtout dans la manière, dans la manière, on avait un peu l'impression sur le terrain qu'il n'y avait pas eu de camp d'entraînement, hein, c'était un peu ça. Donc 9-6 en 2022, donc démarrage un peu poussif, puis 14-5 en 2023, je parle sur les années civiles. Hein. Mais à quoi ça correspond Donc tout ça? 14-5 en 2023, l'arrivée de D-Boss notamment, t'as bien raison de te dire, de te donner ce point-là. Alors il y a l'arrivée comme de disait D-Boss, ton, alors comme disait hein. ton cher ami, alors E-Bust, voilà, le running gag de la chaîne, E-Bust. E-Bust, parce qu'il ne défend pas, donc there is no D in D-Bust. Voilà, exactement, le bon gag aussi que j'ai mis sur Twitter, pourquoi Yves Ponce ne joue pas, parce qu'Yves Ponce le banc. Yves Ponce le banc, voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre pour mais des blagues de qualité. Alors, ça correspond qualité. Aussi au meilleur move de l'ASVEL cette année, qui est d'avoir oui. Cut Polite et Cartwright Junior, là, ou Park Jackson de donner Cartwright. Plus de temps de jeu à... Comment il s'appelle, les Jonah Matthews. Oui. Jonah Matthews, tout à fait. Oui, monsieur. Le Californien. Oh non, arrête avec ça, parce que... Dédicace au commentateur l'équipe. Bref. Benoît Cossé. Reprenons nos esprits. Donc, tu l'as dit, ça... Cette bonne fin de saison sur la NCV 2023, 14 victoires, 5 défaites, correspond aussi à l'arrivée de D-Bust au sein de l'effectif rouanien. Rodanien, voilà, pas rouanien, on va se refaire des amis. Donc sur la double confrontation en championnat, on a le match aller qui a eu lieu à l'Astrobal le 16 janvier 2023.
qui a vu Le Mans s'imposer 95-91. Le MSB qui a notamment 5 joueurs à plus de 10 points. Avec un duo Kadjami Keane et Matt Morgan qui cumulait 43 points à 2, donc exceptionnel. Dont 40 de Kadjami Morgane. Keane qui a. Non, t'es en fait. C'est un bâtard. Justement, en plus, j'allais dire Kadjami Keane, en vrai, c'est con qu'il a eu des petits pépins physiques cette saison, puis il a loupé des matchs, Oui, parce non qu'en mais vrai, il est oui. très important dans le système du MSB. Merci Thibaut. Et le match retour qui a eu lieu pardon, le 4 avril dernier à l'Antares, donc au Mans. Victoire de l'ASVEL cette fois de 1 point, 80-79. Match de traînard avec 33 points de Nando De Colo, mais match de traînard qui voit l'ASVEL s'imposer au buzzer grâce à une claquette de Youssfal. Le Voilà. grand Zuzu. C'est ça. Mais des matchs assez serrés à chaque fois, donc c'est assez intéressant parce que c'est vrai que. Pour dézoomer un petit peu, Le Mans, c'est une équipe de saison régulière, enfin qu'on qualifie souvent nous de saison régulière sur entre-deux. En tout cas, Average. c'est une équipe qui est toujours à average, non, parce qu'ils Average. sont toujours dans le top 6 en vrai. Oui. C'est quand Mais même pas alors, average. Mais donc. cette année, bien qu'il y ait de l'amélioration dans le résultat parce qu'ils font les playoffs. Moi, je suis un peu déçu de leur saison jusqu'à maintenant. Je m'attendais à bien plus du MSB en début de saison. Ah ouais, bien plus. Ouais. On parle. C'est-à-dire top Bah, 3? on savait qu'il y avait un plafond, mais j'aurais bien aimé qu'ils soient top 5, ouais. Tu vois, je les voyais bien Oui, top après 5. ils sont sixième, tu vois. Enfin, C'est pour ça que je dis un peu déçu. ouais, vraiment infime de Un manière. peu. Ouais, Tout infime, seul. quoi. Bref. Et je trouve qu'on la Non, sous-estime mais en tout beaucoup, cette cas. équipe aussi. Alors, on la sous-estime beaucoup, oui et non, parce que moi. Enfin, oui, factuellement, on la sous-estime beaucoup. Mais. C'est vrai que c'est une équipe qui, moi, m'a souvent beaucoup déçu en playoff. Sauf en 2018, du C'est pour coup. ça, sauf en 2018, mais bon, ça fait déjà 5 ans, quoi. Mais Antoine Eto n'est Mais plus là, les deux, amis. bon, voilà, c'est ça, depuis la belle époque, bon, un peu déçu. Mais c'est pour ça que souvent, je la qualifie d'équipe de saison régulière. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que factuellement, quand on parle, nous, de l'ASVEL et du Mans, par exemple, c'est pas des équipes qu'on va mettre dans le même sac. C'est des équipes où on va dire, oui, l'ASVEL est largement un cran au-dessus, et peut-être à juste titre, Ça n'est pas mais sûr. à noter que dans les matchs, à l'intérieur des matchs, bon, à part la demi-finale d'Euro... d'Euro Cup, n'importe quoi, Leaders Cup. de Leaders Cup, où il y a pas match, clairement, Ouais. bah en fait les deux confrontations en championnat elles sont très enfin ça se joue à moins C'est de 5 serré, points à chaque hein. fois hein. Ouais. Il y a money Après time. c'est vrai que dans un contexte de playoff donc gros match à enjeu etc pour moi la demi-finale de Leaders Cup a plus de faire valoir puisque c'est ce qui se rapproche le plus en termes d'intensité pardon, de De compétition playoff, etc bien même si sûr. c'était sur un match sec c'est ce qui se rapproche le plus d'intensité playoff. Bah oui. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on fasse le film de la rencontre, Écoute, enfin de le la film série, de la pardon. rencontre, le film de la série, oui, enfin, on peut dire rencontre. Ne pas se fier au classement, hein, le C'est MSB a ça. toutes les chances de l'emporter, surtout C'est s'ils parviennent quasiment ce que j'ai envie de à. dire, ouais. Oui, si, surtout s'ils arrivent à limiter Nando De Colo et D'Bost. Alors, S'ils arrivent à. ça fait un gros si quand même. Alors, on est sur une très grosse scie, effectivement. On est sur Mais. une scie à métaux là. Alors, on parle de scie, évidemment, et on parle de Ouais. limiter et pas stopper, hein, parce que pour les stopper, Oui, bon mais courage. même, enfin bon, enfin Donc. même limité, enfin T'as du De gêner au matos. maximum. Tu as du matos. Star Pétinkle, déjà, il y a un coup à jouer. Oui, c'est vrai. Hein? Après, Attention. pas Tarpé, tu peux l'envoyer en mission, mais le problème c'est que là t'as deux vrais guards purs quoi. Après, c'est vrai que Tarpé a fait chier. C'est un des seuls qui faisait vraiment chier De Colo sur la demi-finale de Leaders Cup. C'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc Je suis t'as un d'accord. coup à jouer là-dessus pour moi. Et même William Saras, tout ça. Voilà, les. Vraiment, ils ont Ah, vraiment du gros matos défensif. Hein. Abdoulaye, hein. Abdoulaye Loum, On tout à dit. fait. Endoy. Abdoulaye Ndoye, pardon, à chaque fois je crois. Loum, c'est à Dijon. C'est Dijon, ouais. C'est à Dijon. Ouais, Abdou qui va avoir un vrai rôle, j'espère, sur cette série, que ce soit défensivement ou même
À la Même en attaque, hein, distrib, parce à que la c'est ça, distrib. c'est ce que j'allais dire, c'est le seul qui peut un peu. Bon, alors des fois, il peut faire beaucoup d'erreurs en gestion. C'est pas le meilleur gestionnaire, mais c'est le meilleur distributeur du Mans, en tout cas, et c'est le Ouais. seul qui, justement, t'as raison, peut un peu faire peur à les autres. Parce que Et puis notre ami défensivement, Morgan, il là. a des dimensions physiques intéressantes pour défendre justement Ah sur D-Bust et Docolo. bah oui. Ah bah oui, sur IBM, ils le mettent en poste 4, alors. Dédicace à IBM, tout à fait. Bref. Aïe aïe aïe. C'est véridique, hein. Bref. Bref, ouais, les points clés. Les points clés de la série. Les points clés, bah du coup, moi j'avais un duel, mais je le garderai pour après. Mais les points clés, pour moi, c'est la réa. Alors il y en a deux. Alors je sais que je parle beaucoup de défense et de couverture défensive, c'est peut-être pas ce qui vous fait le plus, ce qui vous excite le plus en regardant les playoffs, mais moi si, donc j'en parle. Les raquettes, enfin défensivement, Matt Morgan, on sait que c'est quand même un mec qui aime beaucoup agresser le cercle. Si Lasvele veut dominer cette match-up, il faut qu'ils attaquent beaucoup le cercle aussi. Et c'est vrai que défensivement, alors d'un côté, t'as Fall, donc c'est vrai que c'est assez pratique. J'aimerais beaucoup revoir Yves Ponce, notamment sur un poste 4, voire sur un poste 5 par séquence. La raquette du Mans, c'est quand même assez saloon, porte ouverte, je trouve. C'est Bah c'est pas. ton secteur faible, c'est ton secteur faible honnêtement. C'est le secteur le plus faible, clairement. Ils ont beaucoup de viande à envoyer sur les ailes, on l'a dit, Terry Tarpen, Arras, même Abdoulaye aussi. Donc voilà, mais à l'intérieur, c'est pas l'assurance tout risque. Donc voilà. Donc pour moi, il va y avoir les batailles intérieures et surtout, pas vraiment les batailles intérieures, mais plutôt les couvertures défensives sur pick and roll. C'est un premier point. Et aussi, là c'est uniquement côté Asvel, c'est les cadres. Parce qu'on sait que les matchs en jeu, typiquement la Leaders Cup, on se foutait de la gueule de Charles Kelly depuis le début de saison en mode ouais, il peut plus jouer, truc machin. Puis il a fait une demi-finale du Leaders Cup et une Leaders Cup dans l'ensemble, on a fait. Ah non, mais en fait, il a des genoux encore. Ah mais il a Enfin 25 ans, bref. Charles Cahudi? Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc moi j'attends le réveil entre guillemets des cadres. Donc Charles Cahuzi qui va amener voilà qui est là pour les playoffs et qui va le montrer encore une fois. Nando qui step up à chaque playoff voilà. Dibost mais qui même si c'est pas un cadre c'est un joueur important. Je pense qu'il va step up aussi. On peut avoir le Antoine Diogène qui sort de nulle part et qui te met qui joue 8 minutes et qui met 11 points. Donc voilà. Donc voilà. Pour moi, en fait, quand je parle des cadres, c'est un peu les vieux roublards. Donc Docolo, Cahuzi, Antoine Dio, tous ces mecs-là. Je les attends au tournant parce que c'est pour ces matchs-là qui font partie de l'effectif de l'Asvel, avant tout. Donc voilà, c'est ce que je vais regarder. C'est les points sur lesquels je vais le plus me concentrer sur cette série. Ok. Bah écoute, je vais te suivre sur les points clés parce que je t'avoue que je sais pas trop sur quoi me concentrer. En fait, il y a un peu de tout à Bah, la c'est fois. ça! C'est une série tellement globale, entre guillemets. Ouais, là, j'ai pas l'impression honnêtement, hein, les deux ont un coup à jouer. Hein. Ah oui, clairement. Et je vais y revenir. Enfin bref. On va passer au duel. On y reviendra après, On voilà. va passer au duel avant les pronostics. On va pas mettre. La charrue avant les bœufs. Bah, tu veux Écoute, commencer? le duel, moi, j'ai pas envie Bon, je vais de quand même. jouer la simple. Il y a un duel qui est évident, c'est Docolo Morgan. Pas celui que j'ai pris, mais on va en reparler après, du Voilà, et coup. bah justement, on va en reparler après. Alors, moi, il y a un duel que j'aime bien sur les ailes. C'est Ouais. Matthews Tarpey. Jonah Matthews, Terry Tarpey. J'ai envie de voir C'est ça, pas je vais mal. Est-ce suivre que ça. Mathieu va starter? Est-ce que. Possible! Possible! Possible parce que À si. voir. Si... En fait, si D-Bust, tu sais que ça va défendre fort sur D-Bust et Docolo, et Matthews dans le genre pétard ambulant qui peut prendre feu sur un match, on l'a vu plusieurs fois le faire, bah t'es content de l'avoir sur le terrain? Ouais, après, oui, sur le terrain, oui, mais ce que j'allais dire justement, c'est que pour moi, c'est plus le sixième homme ultime dans cette catégorie-là, dans le Ouais. sens où c'est limite sur cette série, vaut mieux qu'il joue deux, vu les guards du Mans, Oui, c'est pas vaut mieux faux. qu'il joue deux à côté de Nando ou à côté de Dibos, en fait, parce qu'en plus, lui, c'est un two-way, il peut jouer des deux côtés du terrain, C'est ça. il joue très, très efficace des deux côtés du terrain. C'est pour ça, moi, je veux voir l'impact des deux, en fait. Donc,
un peu plus en sortie de banc. Donc je sais pas si c'est... Enfin, je vois le En dans fait, l'absolu, le duel même. est sympa. Après, je sais pas si on va vraiment voir des vrais duels Est-ce que. Tarpé C'est Mathieu ça. sur le terrain, quoi. Est-ce qu'on va avoir un vrai duel? Je ne sais pas, mais en tout cas, les deux, voir l'impact en fait des deux sur leurs équipes et sur le match va être très intéressant. C'est en Oui, ça que je parle de c'est clair. duel, en fait. Ok. Mais C'est un peu le, bah, c'est ça, parce que c'est un peu les facteurs X de leurs équipes voilà, relatives, c'est ça. enfin, C'est ça. respectivement. Exactement. C'est bien résumé. Morgane de Colo. Bah, alors, tu On disais, parle pas de oui, la j'ai pas fille de voulu Nando, tomber hein. dans... Ah. Alors, tu disais que j'ai pas Il est voulu... tard, il est tard. Tu disais que j'ai pas voulu... Tu disais que t'as pas voulu prendre la facilité et tout, mais C'est en même temps, de quelle l'évidence, facilité on entre parle? guillemets, Enfin, l'évidence. ouais, mais... C'est pas péjoratif, Enfin... hein. C'est juste que j'ai voulu Ah aller un oui! peu plus loin dans le Ok, un peu truc, plus loin, parce que je ok. me doutais que tu nous parlerais de ça. Donc j'ai dit, vas-y, creuse-toi les méninges, trouve un truc sympa. Bah, Matt Morgan, qui est... Bon, alors, c'est pas le joueur qu'on aime le plus à Non. l'entre-deux, mais c'est un excellent joueur de basket, hein, on va pas... voilà, enfin, faudrait être vraiment être débile pour dire le contraire. Et non, de couleur, en fait, on parle des deux leaders offensifs de chaque équipe. Matt Morgan, il a fini top 3 meilleur scoreur, top 3 Oui, scoreur, et puis ouais, 20 il points de est moyenne cette saison. dans le 5 de la LNB, bref, Dans le 5 de la LNB, à côté de bah, avec Nando. Nando notamment, tout à fait. Nando qui a fait une saison où au début on était en mode ouais, on attendrait plus, etc. Il Lol. a su s'adapter à son effet, à l'effectif qui était autour de lui aussi. D'accord, donc je dois être le papa. Ok, très bien. C'est On y ça. va. C'est un A, on veut que je sois le parrain de l'équipe, très bien. Enfin ouais, c'est là, je suis désolé, mais c'est la confrontation. Alors je pense qu'ils vont pas le défendre l'un sur l'autre parce que ça serait débile de faire ça. Mais je veux dire, ce que tu disais un peu, alors allez à checker parce qu'elle a dû être elle a dû sortir depuis, mais ce qu'on disait sur la confrontation SIG Monaco, tu parlais de Mike James, Marcus Skins, pareil, je pense qu'ils vont pas se défendre dessus. Mais c'est un peu pareil. En fait, tu disais pour cette série-là que on attend aussi les moments où ça va être tac au tac en mode à toi, à moi, je marque, tu marques. Voilà. En fait, j'attends dans cette série le carton ou les périodes des matchs où ça va être, voilà, ça va être Nando à la baguette qui score ou qui fait scorer les autres par des passes, enfin, par du Nando, quoi. Ou Matt Morgan qui, hop, panier encaissé, reprend la balle, mobilette jusqu'au cercle, end one, la totale. Donc ça va plus être dans ce sens-là que je vais vraiment suivre ce duel à distance entre les deux stars des deux équipes, quoi. Bah, oui, non, mais il est. Enfin, de toute façon, ce duel-là, il est évident Et évidemment, t'as que. raison, non, Il mais est t'as raison de évident, dire mais il ça, est. Mais c'est c'est pas. sûr. C'est très bien hein, qu'il soit évident, justement. C'est que... Ah ouais, c'est ce qui nous fait kiffer aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, les pronos. Pronostic, vas-y, vas-y. Dis-moi, j'ai envie de voir ce que tu nous as mis là. Dis-moi, j'ai envie de dire. Pour moi, alors, je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais pour moi, c'est un 2-0 pour l'Asvel. C'est l'Asvel en deux. Ok. À chaque fois, c'est des matchs serrés, mais comme je le disais, en fait, j'attends à ce que les quatre de l'Asvel se réveillent. Et en fait, si Cahudi, comme tu disais, joue comme si c'était en... comme si on était en 2014. Rien que ça complique grandement la tâche pour Le Mans. EDF Et Charles. je suis désolé, mais Le Mans a un plafond, je trouve, en fait. Et c'est aussi pour ça que je dis que c'est souvent, à mon sens, une équipe de saison régulière. En fait, à part Morgan, ils ont zéro. Je suis désolé, hein, mais enfin, je respecte tous les joueurs ou quoi, mais je suis désolé, mais à part Morgan, ils ont zéro option offensive, quoi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire Iso Williams Naras, je l'adore, hein, mais enfin. Voilà quoi. Qui défend Morgan? Pour moi, c'est du relais, c'est du. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien voir Ponce en fait. Mais pour moi, c'est du relais Charles Ponce. Hein. Après Ponce, on sait que les guards, c'est pas ce qu'ils préfèrent défendre non Faut le plus. tenir, pépère, hein. Il faut le Ouais, parce tenir, qu'en hein. plus, Waters lui a déjà fait l'amour à Yves Ponce, mais Non. en plus, les profils sont un peu similaires. Donc. C'est ça. Moi, je mettrais Charles Cahudi pour. En fait, j'ai envie qu'il lui casse la boîte d'entrée. C'est-à-dire qu'en mode. Bordel ange! Non, non, mais t'es gentil, mais là, c'est pour nous, quoi. Ok. Mais. C'est une très bonne question. Je sais pas du tout qui. Ouais, non mais bah, c'est pour ça que je la pose, parce que j'ai pas la Et réponse, donc... après, peut-être que TJ Parker.
va faire une tactique où en gros il va se dire Ouais, vous savez quoi, Thomas il peut mettre Morgan pardon, il peut l'assistant mettre coach de Lando de Colo. arrête. Il commence. Vous savez quoi, Matt Morgan là, il peut mettre 36 points. Si les autres mettent pas un pion, on s'en fout quoi. C'est vrai aussi. Donc, ce qui peut être une très bonne tactique défensive aussi pour contrer l'Allemand, parce Ouais. qu'au final, bon, bah voilà quoi. Ok. Eh Et bah t'as pas trop d'autres écoute. options. Donc moi, et aussi, la dernière chose, c'est aussi que c'est la dernière chance. Enfin, dernière chance. Ils sont en playoff, donc c'est pas la dernière chance, mais l'ASVEL là doit vraiment démarrer sa saison dans le sens où ils ont fait une saison ultra décevante en Euroleague. Bon, en Betclic Bon, aussi, ils ont gagné, hein. ils ont en Betclic, on a dit ouais, machin. Oui, Il mais se tu vois, c'est ce que je retrouve t'avais dit. top Oui, mais 3, mais. non, mais parce qu'ils l'ont mérité, parce que je te le disais en début de saison, parce que on disait ouais, ils rament et tout, ils galèrent, ils C'est étaient vrai. border top 10, border top 8, etc. Il y a 2 mois, ils étaient encore 6e, 7e là. Ils s'en sortent, mais je suis Mais déçu. j'avais dit, en matière ou les vidéos, j'avais dit qu'il finirait dans tous les cas top 5 et que ça irait et qu'il commencerait à jouer en playoff. Mais du Bah, comme coup, d'hab. j'espère qu'ils vont commencer à jouer en playoff. Et du coup, pour moi, s'ils commencent à jouer en playoff, bah en fait, le MSB n'a même pas une chance de remporter un Oui. match. Sauf que s'ils commencent à Pour moi. jouer, et moi, pour moi. Pour moi, oui, bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Et bah justement pour moi, victoire du MSB 2-1. Je vois le Mans passer l'Asvel. Non, tu dégages. Je te jure que c'est vrai, je vois le Mans passer l'Asvel. Upset. Enfin, Pour upset, moi. après c'est un 3-6, mais oui, c'est quand même Ouais, un bah c'est upset. un upset. C'est ce qu'on appelle un. Ouais. Mais Ouais, attends, ouais. mais comment tu vois le Mans passer en fait? Bah pour les raisons Parce qu'on que a c'est ça ma évoquées. question, du coup. Qui défend Morgan? T'as plein d'options défensivement pour un peu faire chier l'Asvel. Les profils physiques sont ok, même Oui, si en Mousfal défense. va vraiment te faire. Yousfal, pardon. Va vraiment te faire chier et va falloir essayer de le faire sortir rapidement Oui, mais en après, lui tu peux lui faisant faire des faire fautes. trois fautes. Ouais, voilà, tu C'est peux lui ça. faire faire trois fautes rapidement aussi. Tu mets un petit Valentin Chéri là qui va le faire courir partout, il va galérer, hop, Il joue terminé. 5. Voilà. Ça peut le faire. Ouais, et puis ouais, j'ose espérer que Morgan va pondre une série digne de Ah bah de toute façon, si le Mans doit passer. d'un meneur All LNB team. LNB, elle est pas mal. All LNB LNB First Team. J'ai bien envie en tout cas que le Mans sorte l'Asvel parce que la saison, moi, j'ai vraiment pas kiffé, j'ai pas. Oui, t'as Ils bien sont envie, bien mais rejoints. après, c'est Non pas mais j'y très. crois, en fait j'ai C'est bien pas envie ça. et j'y crois. J'y crois. Ok, c'est Le plus Mans a ça. les armes pour, on les sous-estime beaucoup, on les prend vraiment pour acquis le Mans. Ah oui, c'est vrai. Mais ils nous ont montré aussi pourquoi Pourquoi ça peut être le on les traitait cas? comme ça, hein. Est-ce que le Mans va enfin step up en playoff? Moi je veux voir Est-ce ça. que. Ouais, Est-ce mais que. voilà. Oui mais est-ce que l'ASVEL va commencer à jouer? Dites-nous en commentaire, juste 2-1 pour le ici, ce Mans. que vous en pensez, vos pronos, vos clés du match, ce que vous allez regarder, Le si Gaulois vous en voulez bourse. compléter aussi tout ce qu'on a dit. N'hésitez pas à aussi vous abonner sur les réseaux pour qu'on puisse échanger. Tout est en description, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch et YouTube évidemment. Abonnez-vous, ça nous aide énormément. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à activer la cloche puisque il nous reste encore d'autres previews à faire et que là, on vous l'a dit en intro, c'est le moment de la saison où on a le plus de contenu qui sort. Donc voilà, Thibaut, Abonnez-vous. tu veux rajouter quelque chose? Oui, Abonnez-vous, abonnez-vous, vous oui. êtes plus de 70% à ne pas être abonné. Ça me ronge les C'est freins. scandaleux! C'est énervant. Voilà. Voilà. Prenez À soin de part ça, on vous vous. fait des bisous et nous on enchaîne. Salut!